Hello Athéna! Coucou Calice! Bing! Aïe! Bon, alors aujourd'hui, nous avons deux boîtes, une boîte chacune, avec une boîte méga box Bob l'éponge et une boîte méga box Schtroumpf à partir de 4 ans. Et toi, Calice, à partir de 5 ans. Donc, c'est du gâteau. Alors, allez-y, ouvrez-moi ces belles petites boîtes méga box. C'est la première fois qu'on ouvre une boîte méga box de ce style. Un scotch! On avait déjà ouvert une boîte méga box, mais mignon, souvenez-vous. Cliquez en haut à droite. C'était plutôt sympa d'ailleurs. Et là, on change d'univers avec Bob l'éponge et avec les Schtroumpfs. Un petit bout de cutter, tiens. Ah, un petit bout de cutter, je savais bien. On dirait des Legos un peu. Megablock, ça ressemble à des Legos. Tout à fait. Mais il y a même un mode d'emploi. Ah oui. Bon, ça va, il n'y a pas grand chose à monter. Je vais y arriver. C'est des Lego moi aussi. Alors voici le petit sachet de Calice, deux petits sachets et le petit sachet, également deux petits sachets d'Athéna. Merci Athéna. Waouh, avec un petit mode d'emploi. Moi, regarde j'ai Athéna. Des Lego pour Athéna. C'est beaucoup plus facile que Calice. Ouais. Athéna, c'est juste à poser des objets. Exactement. Il n'y a pas beaucoup de pièces à monter à part peut-être les fleurs. Voilà, je pense que le Schtroumpf est déjà monté d'ailleurs. Le Schtroumpf est là. Normalement, il n'est pas monté. Le Schtroumpf est là. Je connaissais le grand Schtroumpf, le Schtroumpf à lunettes, la Schtroumpfette, le Schtroumpf farceur, mais pas le Schtroumpf est là. Ça s'appelle Fella ? Voilà. Et voici. C'est le joli petit Schtroumpf Megablox. Déjà monté. Là, le Schtroumpf là. Là, là, là. Ah, tu vois, c'est même dans la chanson, ils le disent. Là, là, le Schtroumpf est là. Non, là, là, la Schtroumpf, là, là. Voici le Schtroumpf avec sa jolie trompette, qui est musicien, en fait, avec son pupitre et ses notes de musique. Et il y a plusieurs boîtes à collectionner tiens, dans cet univers, le Schtroumpf. Voici Patrick. Hé, hey, Patrick Étoile de Mer. Je me souviens, dans une vidéo, Athéna, tu voulais Patrick Étoile de Mer, c'était dans une pochette surprise Bob l'éponge série 2 de mémoire. Cliquez sur le petit i en haut à droite pour voir ça. Et voilà Patrick Étoile de Mer. On va la mettre où celle-là? Et voici la boîte Megabox Bob l'éponge. C'est là. Avec le petit char qui appartient à Patrick Étoile de Mer. Et voilà. Plusieurs petites boîtes également à collectionner. T'en tires très bien, bravo! Et là, tu mets, c'est ça, les notes sur le petit pupitre. Pour l'instant, je te laisse faire, Athéna. Si vraiment tu veux de l'aide, je vais t'aider, mais pour l'instant, je te laisse faire. Je te laisse essayer pour que tu puisses progresser toute seule. Et moi, je regarde où en est Calice. Et regardez, en fait, c'est marrant, le petit copain, sur la boîte, sur le côté. Il y a la traduction de Schtroumpf dans toutes les langues. Smurfen, Smurfern, Smurfarna, Baruflet, je ne sais pas en quelle langue c'est tout ça. Ouais, et bravo, t'as mis la trompette dans la main du Schtroumpf, c'est très bien ça. Oh, et je pense que les petits trous qu'il y a aux angles de cette pièce, c'est pour mettre d'autres éléments des Schtroumpfs. Si on regarde peut-être la boîte. Là, tous les autres éléments, peut-être qu'on peut les assembler les uns avec les autres pour faire un gros élément et un grand village de Schtroumpf. Regardez les petits copains. L'ensemble des Schtroumpfs. Le Schtroumpf musicien. Est-ce que tu aimes Athéna? Oui. Tiens. Cadeau! T'aimes bien les champignons, hein? Ça te plaît ça à chaque fois les champignons. Et t'aimes bien les manger aussi les champignons. Voilà, en vidant tout sur la table, ça va être plus facile, Calice. Et voici le grand flyer des Megablox Schtroumpf. Ah, c'est très très facile à monter. La différence avec les Lego, c'est que les Megablox, eux, ils mettent des petits points de couleur, pour montrer la différence avec l'étape précédente. Il te reste quoi à mettre? Des roues. On va voir, ça ressemble à un mélange de bateaux de viking, mais aussi de voitures de course, parce qu'il y a des ailerons à l'arrière, on dirait. Mais ça ressemble aussi à un char. Ça ressemble à n'importe quoi.
À tout et n'importe quoi. À tout et n'importe quoi. Voilà. Allez, waouh. Et voilà, Patrick, étoile de mer. Youpi. Alors, est-ce que ça te plaît, Calice? Oui. Et c'est joli, Athéna aussi, hein. Voilà les filles, et on va montrer vos deux jolies réalisations avec la... Et le petit char viking bateau voiture de course de Patrick Étoile de Mer qui rejoint le Schtroumpf. Et ben voilà, jolie récapépette. C'est un petit peu dur d'avoir les deux en même temps parce que vous avez envie de jouer avec, c'est normal, mais je pense qu'on les a bien vus. Donc j'espère que les petits copains vous avez aimé cette vidéo. Laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu comme d'habitude. Et on se retrouve demain les filles pour une prochaine vidéo. Mais d'ici là, qu'est-ce qu'on dit à tous les petits copains qui nous regardent? Au revoir. Et surtout, abonne-toi. Et laissez des petits commentaires. Et des petits Schtroumpf. Pouce bleu comme le Schtroumpf. Ça marche. Un gros bisou, Athéna. Et Poutine, un gros chocolat. C'est bon le chocolat. C'est tout mouillé. Ça te fait rire? Ouais. Boum, 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 boum.